Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur France 3 pour une après-midi exceptionnelle. Alors, ça ne vous a peut-être pas échappé, je suis au beau milieu d'une piste de danse, et pas n'importe laquelle, celle du Palais Omnisports de Paris-Bercy, parce que cet après-midi, en direct de Bercy, la danse fait son show. 2 heures de spectacle à vous couper le souffle en compagnie des cadors de la danse sportive. Champions de France, champions d'Europe, champions du monde, stars de la télévision, les plus grands danseurs vont se succéder ici même pour un show étourdissant. Au programme valse, tango, salsa, rumba, boogie-woogie, rock, enfin, ça virevolte cet après-midi, ça swing, ça balance pas mal à Paris. Mais je ne vais pas esquisser un petit pas de danse pour vous, je vais laisser ça aux professionnels qui vont d'ailleurs en profiter pour se mettre en place. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'une des plus grandes formations actuelles, la compagnie Dépendance. 3 couples qui dépoussièrent la danse. Parmi eux, vous les connaissez sûrement, ils ont brillé récemment dans l'émission Danse avec les stars. Fauve, Katrina, Sylvia, Maxime, le chorégraphe de la compagnie, mais aussi Fabio et Valentin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le cha-cha et la samba vus par la compagnie Dépendance, c'est muy caliente. We'll be right back.
Merci à la compagnie Dépendance d'avoir ouvert le bal, on peut dire ça comme ça. Et bravo, je vous rappelle que vous retrouverez un petit peu plus tard dans l'émission Katrina et Maxime pour une autre chorégraphie tout aussi impressionnante. Alors, pour vous présenter toutes ces danses et tous ces danseurs, eh bien, je ne serai pas seule. J'ai à mes côtés un vrai pro, Grégoire Lyonnais. Bonjour Grégoire. Bonjour, bonjour à tous. Ça va, super. Tout va bien ? Très très bien. Alors Grégoire, ces danseurs présents ici aujourd'hui, vous les connaissez tous ? Alors, particulièrement ceux qui viennent de danser, puisqu'on partage le plateau de danse avec les stars ensemble. Ouais. Mais effectivement, tous les autres danseurs de ce soir, on se côtoie régulièrement. C'est un petit monde, la danse. Voilà, c'est un tout petit monde, la danse en couple, donc on se connaît presque tous personnellement. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça représente, un show comme celui-ci, pour un danseur professionnel comme vous ? Eh bien, c'est simple. En France, l'événement le plus important de danse en couple, c'est aujourd'hui. C'est Bercy. Voilà. Et c'est maintenant que ça se passe. Et vous avez de la chance, vous êtes là avec nous sur France 3. Alors, à suivre sur la piste, la classe à l'italienne avec Mirko Gozzoli et Editha Daniute. C'est un couple qui arrive. Les voici, les voilà. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend. Merci Mirko, merci Editha. Ils étaient pressés de danser, hein, Mirko et Editha. Oui, oui. Ils ont foncé sur la scène comme ça. Nous n'avons même pas eu le temps de vous préciser ce qu'était un quick step finalement, parce que quand on est néophyte, on ne sait pas ce qu'est un quick step. Alors, je vais vous expliquer. Donc, un quick step, c'est la danse standard la plus rapide. Très bien. Mais la danse standard, c'est quoi exactement ? Alors, la danse standard, c'est toutes les danses où... Il rigole parce qu'il se dit vraiment, il n'y connaît rien. C'est quand le danseur et la danseuse sont constamment collés. Et ils restent collés l'un à l'autre, tout le d'accord. long. D'accord. Et dans ces danses standards, on trouve entre autres donc, le quick step et... Et puis, donc voilà, c'est la valse, par exemple, qui est plus connue. Mais c'est, la valse aussi est une danse standard. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit là, en ralenti ? Donc voilà, comme je disais, quick step, ça porte bien son nom. C'est plein de petits pas rapides. Voilà, donc on joue vraiment sur la vitesse des pas. Et donc, comme on va pouvoir le voir ensuite, les deux danseurs sont constamment collés par le corps avec une posture très élégante. Tout à fait. Alors, il faut quand même préciser, je crois que Mirko et Editha sont vraiment des champions dans leur catégorie. Ah oui, oui, oui. Ils sont champions d'Europe depuis un petit moment maintenant. Et ils reviennent là du UK Open où ils ont encore brillé. Voilà, c'est un Italien surtitré, il vient de changer de partenaire, là. Il danse maintenant avec cette Lituanienne Editha, et ça se passe très très bien. C'est magnifique en tout cas. Prochaine danse, quand la Belgique rencontre la Pologne, eh bien étonnamment, c'est le Brésil qui est à l'honneur. Et oui, pas de frontière avec Johanna Lunis et Mikael Malitowski. Champion d'Europe depuis 2007, ils sont la référence en danse latine.
un peu votre spécialité d'ailleurs, Grégoire, si je ne dis pas de bêtises. Ils viennent d'ailleurs de battre les champions du monde il y a deux jours en Angleterre. C'est donc un privilège pour nous de les avoir ici aujourd'hui. Merci de les accueillir sur la scène de Bercy. Démonstration avec une samba endiablée. Aquí llegó lo que te encanta, gente de sobra. Pero esta vez con la charanga, vamos allá, métele ahora. ¿Pa qué? Pa que se parta la emisora. El chisme. Eh bien, Johanna Lenis porte extrêmement bien la combinaison moulante. Hein. Je suis un petit peu envieuse, j'avoue.